Salut YouTube, bienvenue sur cette rediffusion incroyable, exceptionnelle de Spider-Man 2 ou Year, enfin Marvel Spider-Man 2 ou Year. Nous sommes partis, mes gens, sur une, je vais pas dire une découverte puisque j'ai commencé le début du jeu. Introduction d'ailleurs de très haute qualité. Il y aura peut-être même des petites captures comme ça sur le test complet de l'intro, puisque de toute façon, l'intro est quand même, il faut le dire, assez insane. On va continuer l'aventure, risque de spoil évidemment, puisqu'il y a très forte chance qu'on voit l'aventure principale. Et je vous donnerai mon avis durant toute la vidéo, durant toute la rediff, et très certainement aussi mes dernières impressions. Alors le test complet qui arrive quand il arrivera. Voilà. Ça, si ça peut vous donner une petite idée, évidemment, de tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, enfin, chez YouTube, en live, si au niveau du son, c'est bon. Je l'ai mis à 15, donc il faudra me dire si c'est bon. Oh, et puis cette petite musique... La musique est très très bonne, hein. Franchement, là-dessus, c'est vraiment très très bien. Et nous allons game, c'est parti. Oui, VF énorme, évidemment, et on apprécie, okay, on apprécie énormément. On en était où ? Là, clairement, on a vraiment un très très bon, truc à ce niveau-là. La VF est de très bonne qualité. Est-ce qu'on m'entend ? Oui, on m'entend trop. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant, disons. C'est marrant ! Ah, allez, non, je vais pas m'énerver. Non, j'ai dit à YouTube, aujourd'hui, je ne m'énerve pas. Aujourd'hui, je ne crie pas. Alors, j'ai dit, aujourd'hui, je ne crie pas. Je vous ai pas promis. Hein, mais je vais essayer. D'accord ? Merci à tous. Merci à tous, évidemment, mais vous inquiétez pas, on va essayer de faire ça. Alors oui, on a des petits trucs nouveaux, notamment cette fameuse wingsuit qui fait son apparition et qui rend d'ailleurs le survol, entre guillemets, de la ville de très 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 bonne qualité. Franchement, ça fait plaisir. Alors j'ai pas enlevé dans les options, notamment l'assist concernant le fait de planer avec le... une petite loot box. Fait plaisir. Je l'ai pas enlevé parce qu'on peut l'enlever directement. Je vais encore augmenter peut-être un peu le son. J'augmente un petit peu le son pour l'ambiance, hein, bien sûr. Forcément. On est en 30 FPS. J'ai mis en mode qualité pour l'instant. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, bah écoutez, on va profiter de tout ça. Hein, allez, c'est parti. On a envie de se promener avec ce truc. Ouais, c'est d'ailleurs plutôt pas mal, hein, d'ailleurs, l'utilisation de la wingsuit. Pour l'instant, je vous dis, on est qu'au début, donc je me suis pas encore vraiment attardé dessus. Mais clairement, là-dessus, c'est du très bon boulot. Hein. C'est bien de l'avoir. Alors ça y est, le son. Alors le son, il va être fort, là, parce que c'est cinématique, évidemment. Ah, voici MJ. Mary Jane, oh yeah. Risque de spoil, j'ai oublié de vous le dire, mais bon, c'est trop tard. Non, je l'ai dit au début. Je l'ai dit au début. Merci à tous. Ouais, c'est NJ. Ah, ils se sont fait un petit bisou. Petit bisou. Bon, pareil, faudra me dire si au niveau du son c'est bon, je l'ai remis à 15. Si tu actives le 120 Hz, c'est le mode qualité, t'as 40 FPS. Ouais, bah après, ouais, mais il faut pas. Il faut un écran compatible aussi, je crois. De mémoire. Tu en penses quoi, notamment graphiquement? Je parle du sable et autres effets, pas fou. Bah, au contraire, moi j'ai trouvé pour l'instant. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je trouve les effets visuels plutôt réussis. Pour l'instant, c'est pas la claque, hein. Encore une fois, je n'ai pas l'impression de voir un jeu PS5. Mais pour l'instant, je dis, j'en suis qu'au début, hein. Encore une fois, on voit pas, hein, voilà. Par contre, les animations faciales sont toujours incroyables, hein. Là-dessus, le travail est vraiment de très grande qualité. On voit qu'il y a du budget, hein. Clairement, on voit qu'il y a du budget chez Sony. Hein, ça c'est clair. Merci d'ailleurs à Sony, hein, bien sûr, pour l'envoi de la clé, parce qu'il faut le dire maintenant. Bien sûr, faut pas oublier ça. Mais voilà, pour l'instant je peux pas dire je me suis pris une claque incroyable. Par contre, l'introduction du jeu, elle est incroyable. Ça, clairement, on va pas se mentir, l'intro est absolument insane de ouf. Hein. Ouais, et ça c'est beau. Et ça, c'est bon. J'ai pas eu le temps de faire le ménage. Oh, regardez, il y a du ray tracing. Ça brille. Ça brille sur le parquet.
Mais ça au fond? Ouais. Oh, alors ça... Alors, attendez. Oh, mais alors... Mais... Je vais juste faire un peu de rangement. Mais c'est totalement... C'est totalement Uncharted 4. Mais c'est totalement Uncharted 4, mes gens. Hein? On est d'accord. Faut juste que je libère du temps. On est d'accord, c'est totalement Uncharted 4. Ah ouais. Alors ceux qui aiment bien le côté, alors quand je dis Uncharted 4, c'est quoi? C'est-à-dire que on va avoir comme ça ces petits moments de, ces petits moments de développement de personnages, voilà, que l'on va avoir et qui vont se faire, avec notamment la VF, hein, on le rappelle bien sûr. VF très importante, avec notre cher Donald de Renew, entre autres. Non, non, je peux pas te laisser faire ça. Non, je ne peux pas te laisser faire ça, Marie-Jeanne. Scanner l'environnement. Alors, il faut scanner l'environnement. On va trouver une solution. Oui, on va trouver une solution. Allez, allez, c'est bien. C'est, par contre, taisez-vous, hein, moi je veux jouer. Je veux jouer, hein, merci à tous. Allez. Allez, allez, on continue. La dernière fois que t'as dîné à la maison. Bon argument. Par contre, c'est le bordel, hein. Franchement, c'est un de ces bordels ici. Va falloir peut-être ranger un petit peu, hein, mon cher. Ah, il veut pas. Il veut pas. Ah, il a dit non, je ne veux pas, évidemment. Alors, une facture. Oh là là, 4 000 $, 4 700 $. Combien? Ça fait beaucoup, non? C'est quoi? Montant dû, 4 700 $. Incroyable. Combien? C'est beaucoup, non? Mère, hypothéquer la maison pour que le fils ne coule pas. Et moi, je bois la tasse. Hé, mais qu'est-ce que... C'est une BD. Est-ce que tout ça est à mai? Ouais, j'ai l'intention de les donner, mais... Pas tout de suite. Pas tout de suite. Qu'est-ce que tu regardes? Des vieilles photos de toi, trop chou. Ça fait longtemps que je les ai... Oh. Moi, balance. C'est dans ma chambre, ça. Balance-toi. Eh oui, c'est en anglais. C'est balance. Je me demande si c'est toujours là. Eh oui, balance, ça veut dire équilibre. Eh oui. Tiens-moi au courant de ce que tu trouves. Se rend dans la pièce où la photo était prise. Bah, c'est certainement en haut. C'est certainement en haut. Je fais une petite pause YouTube, hein, parce que là, vous êtes certainement en train de vous dire « Oh, c'est chiant ». Je fais une pause et puis on revient après. Allez, tout de suite. Re-YouTube. Il fallait quand même qu'on voit ça, parce qu'apparemment, on va faire du vélo. Oh là, c'est incroyable. Regardez, on fait du vélo. Regardez, on fait du vélo. C'est beau. Quel bel élément de gameplay en plus. C'est important. C'est important d'avoir ce gameplay. Évidemment, avec le vélo. On se croirait dans GTA... Non mais franchement, ça me fait penser à GTA San Andreas. Je sais pas si c'est voulu. Mais voilà, je tenais quand même à vous montrer YouTube que dans ce jeu, en fait, nous ne dirigeons pas Spider-Man. En fait, nous dirigeons Peter Parker à vélo. Voilà. Donc, faut le savoir, hein, c'est important. Il faut que l'information, tout de suite... soit dite pour tout le monde. Hein, quand vous achetez Spider-Man 2, en fait, vous avez un vélo simulateur. C'est important, quand même. Regardez. Wouh ! Regardez ce qu'on fait. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Vous avez vu, hein ? C'est impressionnant. Les gens, ils vont se dire, ils se foutent de notre gueule, 8300. Ah, oh, vous le savez, on est là pour troller un petit peu. On troll un petit peu, on aime bien. Attends, on est à Midtown High ? Non mais c'est l'ambiance, regardez l'ambiance, les gens ils font du tai chi, et il y a d'autres gens qui sont en train de chier, non pardon, ça c'est autre chose, là il y a des gens qui parlent, il y a des voitures, c'est GTA en fait. Ah mais j'oubliais de vous dire, c'est GTA 6, ah oui, ça y est, je l'ai en exclusivité, incroyable, c'est beau quand même. Allez, je refais une coupure YouTube, c'était juste pour vous montrer ça, on revient après, à tout de suite. Re-YouTube, on est avec Miles Morales, ça y est. On vient de passer un event. Oh là, attention, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est compliqué quand même. C'est dur de tourner, hein. Et on vient de passer en fait un moment de jeu. Vous savez les moments de jeu comme on a dans Uncharted 4 ou
Voilà, il se passe des choses. Enfin, il se passe des choses, façon de parler, quoi. Mais voilà, c'est pour le lore. C'est pour le background. C'est, voilà, c'est pour le background du game. Voilà, ça, donc ça a duré à peu près... bon, à peu près 2h30. donc ça y est, on revient maintenant, cette fois-ci, on va jouer. Mes excuses à tous les gens qui sont présents sur le live, bien sûr. Qui sont là depuis 2h30. Et qui ont passé ce moment, voilà, avec moi. Avec grand plaisir, bien sûr. Ah, on va prendre une photo, attendez. Attendez, on va aller prendre une photo. C'est important de prendre des photos. Hein. Hop. Hop. Photo. Allez hop, on se barre. On y va. Allez, c'est parti. On y va, let's go. Ah, il se passe quelque chose. L'ennemi. C'est bon, il y a des ennemis. Alors vite. Vite, des ennemis, vite. Cette voiture roule n'importe comment. Où es-tu? Tu es là. Hop, c'est parti, on y va. Et hop là, let's go! Bon, ça n'a pas changé, hein. C'était déjà le cas. C'était déjà présent avant. Donc pas de surprise sur le principe. Ça y est, c'est bon, c'est fait? On a fini? Merci à tous. Comme course pour une tonne de métal en fuite. Plaisir à voir. Allez. On y va. Et on continue. Bah, d'après ce que j'ai compris, ouais, apparemment les quêtes annexes sont pas ouf, hein. De ce que j'ai compris là-dessus, ils ont pas réglé le problème. Enfin, c'est pas les quêtes annexes de The Witcher 3, quoi, pour faire simple. J'arrive. Ils ont enlevé les QTE. Ouais, il n'y a pas tous les QTE du truc. Il y en a qu'un finalement. Et puis ensuite après, c'est tout, c'est fini. Ah. Ça y est, c'est parti. Salut. Salut, poteau. Bah, on y va. Mais qu'est-ce que... Mais qui es-tu? Ah, c'est Scorpion. 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 T'arrêtes pas, Gargan. Il va se prendre un coup de queue. Enfin, je veux dire, un coup de queue. Scorpion, bien sûr. Évidemment. Paré pour le deuxième. Bah, des quêtes annexes à la FF16, je pense. Hein, de ce que j'ai pu voir, apparemment, les quêtes annexes, ouais, sont pas non plus incroyables. Alors, lui, je sais plus. Lui, c'est... C'est celui du... Dans le 1, il me semble, c'est le négatif. Ouais, je crois que c'est lui. Mais je sais plus comment il s'appelle dans le comics. J'ai envie de dire, il s'appelle Martin Lee. Ah, ça tombe bien, parce que pour dormir, c'est mieux. Dans un lit. Merci à tous. Il lit des livres. C'est marrant, dis donc. Ah, ça y est, il se passe des choses là. C'est pas la saison des feux d'artifice. Il faut aller voir. Mister Négative, merci. Merci, merci. Oui, d'ailleurs, dans le jeu, j'ai oublié de préciser, mais on va notamment pouvoir alterner entre et Spider-Man et Miles Morales. Du jaune. Tu penses à la même chose. Du vert. Ah, c'est Mysterio, non? Je prends la gauche. Protégez le bateau. Sur ma position. C'est parti. Ah bah oui, c'est Kraven, oui. Ouais, mais je pensais qu'il allait apparaître autrement. Je me suis dit un petit Mysterio. Je me demande s'il y est d'ailleurs dans le jeu. Ah, donc on va certainement avoir la phase qu'on a vue dans le trailer, enfin dans la vidéo de gameplay d'il y a 2 ans là. Ah.
Non, ouais, c'est ça, c'est la scène du trailer, ouais. Je savais que j'aurais dû faire des étirements. Ta tête fera un superbe trophée. Non, mais je sais esquiver. Mais non, mais ça, je sais déjà faire. Oh bah merci, merci de m'apprendre des choses, même si je sais déjà faire. Moi, c'est Spider-Man. Au cas où vous seriez pas au courant, cette équipe est ultra dangereuse. On a vraiment intérêt à les garder en prison. De même, Patricia. T'as rien à voir là-dedans. D'accord, on annule le cocktail de bienvenue alors. Un chien, bam! Attention! Oh, bien joué! Oh, oui, bien joué! J'ai pas besoin de me soigner, moi! Moi, je suis fort! Merde! Soigne-toi, soigne-toi! Ça serait quand même. Ça serait vraiment dommage de mourir! Merci à tous. Voilà, voilà. Donc j'ai encore montré. Oh, destruction de du costume. Ça c'est bien ça. Ça c'est très très bien ça. Ouais, c'est très 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 bien ça. Au cas où vous seriez pas au courant, ces clips sont ultra dangereux. On a vraiment intérêt à les garder en prison. Ne mêle pas de ça. T'as rien à voir là-dedans. D'accord, on annule le cocktail de bienvenue alors. Attention. C'est quoi cette espèce de brute? J'espère que vous le sauriez. Alors je vais essayer de me concentrer un petit peu parce que je fais un peu nimp. Hein. Ça marche. Mais c'est pour le. C'est pour le. Comment on appelle ça? L'entertainment bien sûr. Hop là, et hop, casse-toi. Voilà, ça c'est bien. Ça fait toujours plaisir. Hein. Ok, on est passé sur le côté. Attention! Qu'est-ce que vous leur voulez à ces types? Vous avez déjà l'air assez nombreux dans votre club. On verra. Et ce sera un moment glorieux. Je ne rappelle pas de ce genre d'annonce. Oh non! Oh non, je vais. Pardon! Ah, j'ai failli mourir. Mais sérieusement, qu'est-ce que c'est que ça? Par contre, c'est une blague ou... C'est une blague? Ta tête fera un superbe trophée. Non mais le jeu, c'est devenu Dark Souls ou qu'est-ce que c'est que ça semble en faire? C'est incroyable quand même. Ah, je peux jouer sans mourir. Mais putain, mais c'est pas possible, mais t'es... Oui. Oh là, oh, c'est un jeu difficile, hein. C'est de la merde. Hein. Je rigole YouTube, hein, parce que je sais que sinon tu vas encore t'énerver comme d'habitude. Non mais calme-toi. Calme-toi, je rigole. Je rigole. Ouais, il faut que je contre beaucoup plus. Évidemment. Mais c'est un truc de... C'est un truc... Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'arrive pas à passer ça, ça y est. Oh là, YouTube va encore me dire que je suis nul à chier. Vous pouvez dire Bibi nul à chier, hein. y a pas de problème. J'assume ma nullité. Hein. Voilà! C'est ça qu'il faut que je fasse. Allez! Ah quand même hein. Oh là, il va falloir mettre le mode facile hein. C'est trop difficile hein. Oh là, on joue à Lord of the Fallen, à Elden Ring hein, mais on n'est pas capable de faire Spider-Man. Oh merci. OK, c'est bon. Là, ça va aller. Voilà, là, c'est bon. Là, ça va aller. C'est bon. Qu'est-ce que vous leur voulez à ces types? Vous avez déjà l'air assez nombreux dans votre club. Ok. Ça va beaucoup mieux. On rappelle pas de ce genre d'annonce. Très bien. C'est bon, tout va bien. Monte, mais c'est pas possible, il bug. Mais monte. Merci.
First try, bien sûr, bien sûr. N'oubliez pas que là, je l'ai first try, évidemment. Vous êtes quoi ? Des mini-vultures ? Oh, y'a Vulture ! Vous vous souvenez de ta vanne avec Vulture ? Merci Alliver, merci beaucoup, merci pour l'argent, ça fait plaisir, merci à toi. Attention ! Attention ! Vite ! Je t'avais prévenu et après c'est pire. Ah, bah j'ai hâte. J'ai hâte de passer un très mauvais moment. Mais on aime ça ici. Attention ! Attention ! Oh là, oh, ça passe. Ça passe très bien. Ok, non mais vous avez vu, ça passe maintenant. Ah, vous avez vu, je maîtrise le gameplay du jeu. Là, je le maîtrise totalement. Allez, hop, chat. Et voilà. C'était facile. Ok. Ah, j'arrive, Miles. Alors, c'est pas là où je voulais aller, mais c'est pas grave. Ils ont l'air ultra motivés pour récupérer. Scorpion, Mouli, tous les deux. Si jamais c'est qu'elle s'écharpe là, reste concentré, Spider-Man. Ta présence est inattendue, mais sans conséquence. Mais sans conséquence. On peut vous débarquer. Il y a au moins un truc de clair. Ils savent ce qu'ils veulent. Non, c'est là que je voulais aller. Oh, bien joué. Ça, c'est beau, ça. Très mal se passer. Ah mais j'ai oublié de prendre ça. Oui, c'est vrai que j'ai des gadgets. Eh oui, faut que je les utilise vraiment. Ah bien joué. C'est vrai qu'il faut que je pense à utiliser mes gadgets. La caméra. C'est bon. Alors c'est presque bon. Viens. Mais viens. Voilà, merci. Oh. Salut Max, ciao. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va mal se passer. Mais qu'est-ce que... C'est parti. Ah. On doit libérer le bateau. Genre ils vont l'enlever comme ça. Genre ils vont le... Ah ouais. Ah oula. Mais bon, on les a sauvés. Tout le monde à l'intérieur, je vais aller les chercher. Remonte te mettre au sec. Dès que j'aurai fait sortir tout le monde. Ah. Allez, c'est parti. J'essaie de sortir. J'en profite pour vérifier s'il reste pas de civils. C'est pas beau à voir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les garçons à l'abri ? Allô ? Allô ? Pas de signal. Allô ? Il n'y a pas de signal. Oh ! Ça se gâte sérieusement.
J'arrive. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Je viens vous sauver. Bien joué, Miles. Bien joué. Restez calme. Je vais trouver une solution. Je restais calme. Ah, il va falloir certainement. Ça m'a l'air ah oui, c'était comme dans Miles, ça. Dans Miles Morales, il me semble. J'espère que Peter a trouvé Scorpion. Ces gens n'ont pas conscience du danger qu'ils vont libérer. Ouais, si, c'est ça. Je vous le jure. Allez, système de secours. C'est ça. Montre-toi. Avance. Merci. Avance. Ouais, trop cool. Bravo. Le niveau de l'eau monte. Faut absolument que je trouve une autre sortie. Il y a un fort courant électrique par ici. Même moi, je peux le sentir. Ouais, c'est pas grave. Ça va aller. Tout va bien se passer. Ça va aller. On maîtrise la situation. Allez, c'est parti. Oh ! Et voilà. Eh ben voilà, félicitations. Corps tout cassé. Ah. Ça fait mal. C'est vrai. Mais ce n'est pas pour Scorpion. Ah, et puis en plus, il a été blessé. C'est pas possible. Non. Papa. Ah, il va avoir des hallucinations. On a Scorpion en visuel. Satisfait de l'aspect technique, Bibi? Bon, ça va, honnêtement, comme je disais, certes, c'est pas la claque technique au sens claque du terme. Après, je n'ai pas encore vu le reste, donc j'ai pas vu notamment tout le travail qui a été fait sur Venom et autres. Mais ça va, après, honnêtement, comme je le disais, c'est propre, c'est de qualité. On est sur un jeu qui fonctionne plutôt bien à ce niveau-là, donc... Ça va. Le jeu aurait pu tourner sur PS4. Bah, difficile à dire, hein. Honnêtement, de ce que je vois, pour l'instant, je dis bien, pour l'instant, je pense que ça peut tourner sur PS4. Mais, comme toujours, faut voir si, par exemple, avec les effets visuels, c'était possible. Est-ce que, finalement, avec certaines choses, il y a toujours un doute. Mais je pense que, sur un plan global, simplement sur un plan global, sur PS4 Pro, ça tourne. Peut-être pas PS4 Fat. Mais PS4 Pro, oui, je pense que ça tourne. Mais bon, c'est sur du détail. Hein. Encore une fois, ça va jouer sur du détail, évidemment. Mais déjà, Spider-Man PS4, ouais, était déjà magnifique. Hein. Moi, je me souviens qu'à l'époque, c'était sublime. Hein. Le jeu, c'était quand même une sacrée claque. Hein. Mais on avait déjà un goût, un avant-goût, en fait, finalement, de ce qu'était la partie technique avec Miles Morales, tout simplement. Miles Morales qui est sorti sur PS5 est sorti sur PS4 aussi. Et finalement, c'est à peu près similaire, je dis bien à peu près. Encore une fois, je fais attention à ce que je dis. Qu'est-ce qui se passe ? Oh. Et voilà. Terminé. C'est bon. Alors évidemment, il y a un précédent, hein. S'il réagit comme ça, je pense que vous l'avez bien compris, bien sûr. Oh ! Par contre, je trouve, alors à titre personnel, je trouve quand même Miles Morales infiniment plus puissant que Peter Parker. Enfin, que Spider-Man, quoi. Clairement, Miles Morales avec ses pouvoirs électriques, enfin, c'est quand même assez insane. Et pas qu'un peu.
parce qu'il a des pouvoirs électriques qui sont mais complètement mais fumés de chez fumés. Et honnêtement, ouais. Je trouve, pour l'instant en tout cas, que Miles Morales est vraiment plus puissant que Spider-Man. Maintenant, il faudra voir ce que ça donne avec le symbiote. Parce que Spider-Man aura cette particularité de pouvoir avoir le symbiote. Et je pense que là, ça peut se décider. Là, il y aura peut-être un changement. Il y aura peut-être un changement. Il a le Gear 5, c'est ça. C'est ça. Bon, niveau mise en scène, ça envoie. Hein. Clairement, ça envoie. Hein. Attention! Ça va tomber! Bam. Ok, let's go. Ok, allez, casse-toi. Hop. Ok, c'est pas ce que je voulais faire, mais toi bien. Oh bien, oh bien, 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 très bonne réaction en chaîne. Oh oui, avec l'onde de choc en plus. Oh, définitivement Morales, c'est quand même très 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 pété. Oh oui, magnifique. J'ai fait un coup spécial. Magnifique! Désolé du retard, t'inquiète BG. Pas de soucis. Installe, tu es. Ah, voici Kraven! Regardez tous les poils! Oh là, les poils sur le torse! Incroyable. Attention! Panique pas tout de suite! Mais l'East River est en feu! Attention, ça va mal se terminer. Ça va aller vite. Et il l'emporte quand même, du coup. On peut dire qu'il tape dans le mille. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien se passer. Hein. Oh bah quel dommage, ils sont tous là. Lâchez-moi un peu. Faut que j'arrête cette délice. Et il a plus ses pouvoirs électriques. Ah voilà. Voilà, je me disais aussi. Bam. Oh ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Alors Lee, tu vas lire un bouquin ? Et hop là ! Bam. Ça pique mes blagues, j'en peux plus. Moi, jamais. Moi, je pique les blagues de personne. Oh oh. Oh oh. Mr. Negative.
Protège tante, mais surtout. Ah, bien sûr, évidemment. Et évidemment, j'ai la rêve, j'ai la rêve. Oh, il y en a rien à foutre. Tout le monde est en train de mourir et il y en a rien à foutre. Coucou, je suis là. Allez, viens ici, toi. Spider-Man, lâche-le. Ouais, faut le lâcher, là, faut le lâcher, monsieur. Bon, il y a vrai goût de la mise en scène, par contre. Hein. Clairement, Insomniac, là-dessus, il n'y a pas à chier. Ah ouais, faut le lâcher. T'as pas le choix. Alors qu'il aurait pu faire ça depuis le début, hein. Finalement. Ok. Bon, bonne petite phase d'action, hein. plutôt cool. Hein. IP pour Wolverine. Ah, Wolverine, faut voir, ouais, faut voir ce qui va être fait. Ça peut être intéressant de voir un petit peu justement dans quelle direction on va être avec ce Wolverine. La police cherche encore, mais y a aucune trace d'eux. Mais ouais, ce serait intéressant de voir finalement ce qu'il pourrait faire, quoi. C'était qui ces types? Je sais pas. Mais ils sont à la pointe de la technologie. Sans compter qu'en plus, ils ont Scorpion, Ellie. Eh, hey, quel que soit leur projet, on les trouvera. On les trouvera. Et on les arrêtera. Ouais. Bien sûr. Merci, Spidey. Pete, quand j'ai vu Lee sur ce bateau, mes pouvoirs... se sont décuplés. Tu crois que son énergie s'est mélangée à la tienne ? Tout à fait. Franchement, je sais pas. Mais ça a l'air instable. Je sais pas d'où vient ton bleu électrique, mais ça nous a sauvé la vie tout à l'heure. Hey. Bonjour Bibi, 7 heures de Spider-Man de mon côté, j'ai pas pris la claque dont j'attendais qu'elle soit. Ouais, après je peux comprendre, hein, encore une fois. Alors, tout dépend de ce qu'on attend aussi du jeu. Hein. Me mets pas avant, s'il te plaît. Me mets pas avant, allez. Interdit de bouder. Ouais, arrête de faire du boudin. Ouais, c'est bon, allez. Après, ça dépend encore une fois ce qu'on attend. Moi, je sais que par exemple, j'attends énormément autour de tout le travail qui va être fait sur Venom. Et c'est clair que si il se plante à ce niveau-là, obligatoirement, ça, je vais être déçu. Parce que j'attends énormément, mais vraiment énormément de toute la partie Venom, en fait. Donc oui, c'est évident que il va y avoir une attente de mon point de vue là-dessus, quoi, c'est clair. Donc à voir comment ça va être travaillé, à voir comment ça va fonctionner. Pour l'instant, difficile à dire, puisque je ne suis pas arrivé au moment où on parle notamment de... du symbiote. Et je pense que ça va arriver pas maintenant. Je vais t'arracher les pattes. Parce que j'adore les spaghettis. Allez, casse-toi. Bam. Très bien. Oh! Ah, attends, ah, il y a quelque chose. Mettre le civil dans l'ambulance? J'ai pas que ça à faire. J'ai pas que ça à faire, voyons. Y a une ambulance pas loin de... Oh, qu'est-ce les couilles. Je vais vous y emmener.
Merci infiniment, Spider-Man. La prochaine exclu interne de PlayStation, on n'en sait rien. Ils n'avaient pas annoncé une extension de God of War Ragnarok. Alors après, c'était peut-être pas très clair. Enfin, pas officiel déjà, ça c'est sûr. Après, il y a le multi de The Last of Us. Bon, après le multi de The Last of Us, je crois que tout le monde s'en fout. Donc, ouais, à voir. Bonjour. Et voilà. Pour l'instant, c'est une rumeur. On peut toujours compter sur toi, Spidey. Spidey. Allez, allez, Spidey. Allez, on continue. Ah, attendez, il y a ce truc-là. Il y a ce truc-là qu'il faut qu'on fasse quand même, hein, parce que bon, c'est important, regardez. On va aller là. Hop. Hop, voilà. On y va. Et on va aller faire ça. Attention, vous êtes prêts? Regardez, c'est impressionnant. Hop. Attention. Ok. Let's go. Et là, c'est la fête. Et ça, c'est énorme. Clairement, ça, c'est énormissime. Tu fais ça, puis. Hop. Ouais, et ça, c'est très, 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 très fort. Hein. Un bon plaisir. Ah, bah, c'est pas là où justement on peut faire le truc du SSD là? Attendez, je vais le faire. Alors, apparemment, donc on peut se téléporter où on veut. Alors, la puissance du SSD, on va regarder. Attention, vous êtes prêts? Attention, vous êtes prêts? Ah, je peux pas. Je peux pas faire le voyage rapide. Oh, c'est. Oh non, je peux pas faire le voyage rapide. Oh, je suis déçu. Bon, bah, j'ai rien dit. Ah, voilà. Donc, merci à tous. Merci à tous. Oh, je peux pas. Oh, je pensais que je pouvais le faire. Oh, la déception. La déception d'un homme. Je pensais que je pouvais. Eh ben non. Eh ben non. Je ne peux pas. Là, là, là. Quel dommage. Et pizza time. Allez, je fais encore une petite pause YouTube et puis on se retrouve après pour la suite de l'aventure, évidemment. J'arrive tout de suite. Re-YouTube, on est de retour cette fois-ci pour sauver le monde. Et c'est là que l'on va voir, évidemment, ce qui nous intéresse. Je pense que vous l'avez compris. Enfin, on va peut-être pas le voir maintenant. On va peut-être pas le voir, on va peut-être pas, évidemment, mais on va comprendre. Je pense que c'est maintenant. I think it's now. Donc, possibliquer, voilà. Hein? Je sais pas qui finance tout ça, mais il manque pas de ressources. Dit-il. Ah, ils pensent qu'il a vu leur chef. Une espèce de chasseur de gros gibier. Allez, on y va. Intéressant. Allez, mon cochon, on y va. Si ce papier fait la une, ça pourrait nous aider à les trouver plus vite. On délaisse Miles Morales pour péter parquet. Oh, quel enfer. Quel enfer. Quel enfer. Quel enfer, Michel Leb. Hop. Et on y va. C'est parti. Ouais, la wingsuit, franchement, elle est cool. Franchement, elle est cool. Elle est plutôt pas mal. Et puis, bon, voilà, tu vois, t'as vraiment la possibilité de pouvoir bien l'utiliser comme il faut. Je suppose que je vais pouvoir aussi l'augmenter avec des choses en points de compétence. Probablement. Donc, je ne serais pas surpris. Nous sommes arrivés à la fondation. Je me demandais ce que c'était. Ah, on va peut-être repasser en Peter Parker, du coup. Très certainement. Et voilà, on est de retour avec Peter Parker. Avec Pété Parquet. Donc, ça va être encore un petit moment de flottement. Petit moment cinématique. Peut-être. C'est possible. C'est l'arbre d'Emily. Bah, la wingsuit te permet d'aller plus vite. C'est ça en fait, ça te permet d'aller voilà. Beaucoup plus vite et encore plus vite que si tu y vas avec tes. Ouais, je voulais viser un truc légèrement moins comme ça, mais c'est mon père. Encore une phase d'une heure. T'occuper de toute l'organisation. Peter Parker. Ah, Peter Parker. Oh yeah. Qu'est-ce que tu en dis? Tu peux recouper le live. Bon bah d'accord, bah à tout à l'heure à YouTube, hein, je spoil pas, hein, bien sûr, hein, vous inquiétez pas. Pas de spoil ici, mais
Voilà, on revient après. Hein, parce que je sais que. Je sais que vous aimez pas trop ça. Hein, puis au moins, ça évite le spoil. Merci à tous. Allez, à tout de suite. Tout de suite, j'arrive. Re-YouTube. On a passé ce moment magnifique. Donc, dans la fondation Tante May. Voilà. Donc ça a duré à peu près 3h30, hein, et il faut le dire, hein, c'est à peu près 3h30 de gameplay, enfin de gameplay. Très sympa. On a vu, Peter, il était ému, il a vu un bureau avec un fond d'écran, c'était émouvant, c'était beau, il y avait un écran, il y avait un bureau, et on a vu un... Excusez-moi, j'ai un peu d'émotion, on a vu un Pentium 2. Ah non, c'était le 3. Un Pentium 3, c'était magnifique, vraiment, c'était bon. Mais, non, mais c'était chiant. Non, mais va. Excusez-moi, mais c'était chiant. Non, mais à un moment donné, il faut dire les choses. C'était chiant, hein, voilà. Mais bon. On est à peu près à une heure de vidéo déjà, et c'est déjà beaucoup. Hein, déjà, c'est quand même énorme. Donc, on va commencer à faire un petit débrief. Un petit débrief de cette petite session live que l'on a eue ensemble. Que dire sur le game. Bah, pour l'instant, c'est difficile de se faire un avis fermé définitif. Hein, je pense que vous l'avez évidemment bien compris. Le but ici n'est pas, évidemment, de se faire un avis définitif. Mais déjà, au moins... de pouvoir voir un petit peu ce que peut donner le jeu. Je pense que ce qu'il faut comprendre tout de suite, et à mon avis ce sera certainement l'un des fils rouges de mon test qui arrivera un jour bientôt, mais ce n'est pas un jeu qui va bouleverser les codes du jeu. Voilà. Je sais que peut-être des gens attendent une révolution de ce jeu, ou un changement, ou que sais-je, mais ça sera pas le bouleversement comme The Witcher 3 a été le bouleversement par rapport à The Witcher 2. Pour ne citer que lui. Ça ne sera certainement pas la différence entre Alan Wake 1 et Alan Wake 2. Parce que Alan Wake 1 était un thriller psychologique. Alan Wake 2 a l'air de plus être dans un délire de jeu de survival horror. Donc c'est évident que le jeu il va être là pour faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire un jeu d'action-aventure qui va raconter des choses, et notamment concernant donc certains ennemis récurrents de Spider-Man, etc., etc. Bon, jusque-là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'y aura pas de surprise, hein, sur ce point en particulier. Pour l'instant, ce que j'aime bien, c'est beau. C'est plutôt joli sans être une claque, hein, qu'on soit bien clair. La mise en scène est bonne. Honnêtement, la mise en scène fait vraiment tout le travail qu'on lui demande de faire. Et sur ce point, vraiment, j'apprécie vraiment ce que fait le jeu. Donc ça, pour moi, c'est cool. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vu un truc qui a pété. Ah, mais c'était toi. Ah, d'accord. Donc ça, c'est plutôt cool, plutôt intéressant. À voir évidemment le travail et le traitement qui va être fait sur notamment... Ah, mais il en restait un. Attendez, j'arrive. J'en ai oublié un. Excusez-moi, j'en ai oublié un. Viens ici, toi. Mais il est où? Ah, mais il est là. Excusez-moi, je l'avais oublié, lui. Voilà, c'est bon. Donc ouais, voilà, à voir ce que ça va donner, évidemment. À voir ce que ça va donner, bien sûr, là-dessus. J'ai, vous le savez, énormément d'attentes concernant notamment le travail du personnage de Venom. Donc, on l'a pas vu ici sur ce live. Mais bien évidemment que ça fera partie des grosses attentes que je vais avoir sur le jeu. Et forcément, qui dit grosses attentes, dit que ça a intérêt à être vraiment de qualité. Parce que sinon, je vais péter mon crâne dans le mur. Hein. Je pense que c'est clair. Hein, c'est clair comme de l'eau de roche. Donc forcément, une des grosses attentes que je vais avoir dessus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Bon, les quêtes annexes ont l'air d'être dégueulasses. Hein. Là-dessus, je pense que, bon, malheureusement, faut pas s'attendre à du Witcher 3, hein, une fois de plus. Donc, on verra. Mais je m'attends pas à des miracles. Qu'est-ce que je peux dire ensuite sur le jeu?
je pense que c'est tout pour l'instant. Je pense que c'est tout pour l'instant. Donc on verra bien. En tout cas, pour l'instant, il fait ce que je lui demande de faire. C'est-à-dire donc mise en scène, gameplay plutôt bon, c'est rapide, c'est efficace, ça bouge bien, c'est du Spider-Man, made in Insomniac Games. Donc là-dessus, pour l'instant, il fait ce que je lui demande de faire. Mais, pour l'instant, je mets un mais. Je mets un mais parce que pour l'instant, je n'ai pas vu ce qui me fait dire que le jeu peut devenir un GOTY. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on verra. Je vais prendre le temps de le faire. Et puis de toute façon, quand on reçoit les jeux, Sony nous le dit bien. Ils nous disent justement, faut qu'on prenne le temps de bien faire le jeu. Donc je prendrai le temps nécessaire pour bien le faire le jeu. Apparemment, de ce que j'ai compris, la durée de vie de toute façon n'est pas très longue. Mais ça permettra, bien entendu, de pouvoir en profiter un maximum. Et par contre, ça j'ai oublié de le dire, et c'est peut-être finalement là aussi une des choses que je n'aime pas vraiment dans le jeu. C'est que parfois, les séquences de non-jeu dans ce jeu sont trop longues. Notamment, on a vu la phase, par exemple, avec Peter Parker. Bah, les phases avec Peter Parker, pardon, mais c'est très chiant. Franchement, c'est très chiant pour pas grand-chose. Et même si je comprends l'idée de développer le lore, de développer le personnage, de développer finalement le background qu'il y a autour du personnage, pardon, mais on peut le faire en 5 minutes, alors que là, on le fait pendant une demi-heure, et ça me gave. Et malheureusement, c'est le syndrome God of War Ragnarok. Donc on rejoint, et ça rejoint finalement ce que je vois un petit peu partout, c'est que, d'après ce qui est dit, il y a des problèmes de rythme dans le jeu. Et j'ai l'impression que... c'est le cas. Alors, comme d'habitude, je le redis, mais je ne suis pas encore à la fin du jeu, donc... difficile à dire pour l'instant et difficile de préciser cela. Mais ce qui est sûr, c'est que ouais, ce truc-là en particulier, le fait que des phases de jeu qui sont censées développer le background qui durent 30 minutes auraient pu durer 5, je pense que ça commence à me gonfler un petit peu. Voilà, pour ne pas dire autre chose, je pense que voilà, ça commence à me gonfler un petit peu ce genre de choses. Et malheureusement, je pense qu'il faudra s'habituer à ça puisque c'est pour la plupart du temps dans les productions Sony que l'on a ça. Verdict, quand j'aurai fini, évidemment, est-ce que ça sera mon GOTY? Est-ce que ça sera le jeu de l'année? Est-ce que ce sera ma déception de l'année? Eh bien écoutez, on verra ça très bientôt. Voilà. On se revient et on se retrouve vite pour de prochaines aventures. Merci évidemment d'être présent sur la chaîne, comme d'habitude. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Ciao, merci beaucoup. Ça m'étonnerait.